Unit 13, Hotline, page 107. I have found a job. Astrid Collins speaking. Hi Astrid, this is Julian. I'm calling to say I won't be able to come to your birthday party. Why not? Because I found a job as a cook and I'm busy on Saturday evenings. Well, I'm happy for you. Where do you work? In a restaurant called The Manor in Mexborough. How far is it from your house? Only 10 miles. How'd you get there? I drive. I bought a small second-hand car. Well, I'm really surprised. That's all good news. Tell me, how long have you been working now? For 2 weeks, and I enjoy my work very much. How many employees are there? There are 8 cooks and 20 waiters and waitresses. It's a big place. It's a big place. Okay. So, Astrid says, this is all very good news. Why does she say that? Why is it good news? Elise? He has found a job. He has found a job, thank you. Now, why is that good news? It's Julian's first job. Why is that good news? Come on, people! Wakey, wakey! Let's all pretend it's your first job. What would you like to be, huh? You, for instance. What's your name again? Junie. Junie. Hello, Junie. What field are you in? Quoi? In English, please. What do you intend to do? Eh bien, Miss Henri IV, vous n'êtes pas très loquace. Vous y allez, là, hein? Pourquoi vous n'êtes pas resté là-bas, d'ailleurs? Ils n'ont plus voulu de vous. Vous n'étiez pas à la hauteur, peut-être. Junie! Qu'est-ce que... Je t'avais prévenu que c'était un gros connard. Ne t'énerve pas, ça lui ferait beaucoup trop plaisir. Et ben voilà, donc les présentations. Henri, Junie, ma cousine. Lui, avec la belle écharpe à carreaux, c'est Otto. Je suis désolé pour l'accueil, vraiment. Et puis, là, c'est Jacob. Ouais. Salut! Moi, c'est Marie. Je suis la sœur du crétin prétentieux. Et puis enfin, Catherine. Voilà. Ouais, mais moi, je suis la dernière, t'es pas obligée de retenir mon prénom. Bah, ça, je te le conseille pas. S'il y en a qu'un seul que tu dois retenir, c'est bien le prénom de Catherine. Si j'ai passé une nuit formidable, Nicole, c'est grâce à toi. Alors, Sandra, s'il te plaît, on bouscule pas les jeunes filles en passant. Et ils t'ont laissé partir comme ça, Henri IV ? Personne ne t'oblige à rester. C'est à mon niveau au-dessus, les cours, là-bas ? Je vous dirai dans une semaine. Ok. Les enfants, vous savez que c'est interdit de fumer ici, maintenant ? Bon, oh, Nicole, allez, on se détend. Ouais, parle à mon cul, ma tête est mignonne. Mais sinon, il n'y avait aucun moyen que tu restes à Henri IV tout en habitant chez vous. J'avais pris ma décision. J'avais mes raisons. Peut-être tes raisons, mais tu savais vraiment pas ce qui t'attendait ici. Le chocolat arrive. Ne vous inquiétez pas, tous nos défauts. Il n'y a rien qui peut la décevoir, même pas la coupe de cheveux d'Henri. Tu fais le beau devant la cousine, toi. Paye-moi un café, plutôt. Bah, laisse-le tranquille. Tu fais jamais le beau, toi, peut-être. J'ai oublié de faire le malin, tu leur as annoncé que t'allais pas en Italie. Quoi? C'est quoi ces conneries? Nos chers parents ont décidé que je ne devais plus leur coûter d'argent. C'est pas exactement ça la raison, Henri. Disons que c'est la raison officielle. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Mais parce que je t'aime, mon ange. La population est choquée et Luther sera excommunié en 1520. Cependant, il diffusera ses idées en Allemagne grâce à l'imprimerie. Notamment l'idée que le salut ne dépend pas des œuvres de charité, mais uniquement de la grâce de Dieu. Et pour moi? Dans ses dénonciations, il va condamner les indulgences. Les indulgences, ce sont des remises de peine vendues par l'Église aux fidèles pour raccourcir la durée de leur séjour au purgatoire. Cet argent servait à financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. D'autres courants se répandent en Europe. Zwingli a essayé d'imposer le protestantisme en Suisse. Calvin dirige l'Église réformée de Genève. C'est lui qui imposera la thèse de la prédestination. Dieu choisit ses élus.
qui iront au paradis sans qu'aucun individu ne puisse rien y changer. Quelle connerie. S'il te plaît, Henri, est-ce qu'il ne te serait pas possible de réagir autrement que d'un bloc? J'apprécie les avis tranchés, mais disons qu'il existe en toute chose au moins deux perspectives et qu'aucune ne peut prétendre à la vérité absolue. Message reçu? Bon, je continue. Madame, excusez-moi, vous êtes mariée? Non. Vous avez un fiancé, je crois. Oui, mais il me semble que ça ne te concerne pas vraiment. Vous l'aimez profondément, votre fiancé? Oui, profondément. Naturellement, vous n'avez jamais songé que vous auriez pu tout aussi bien haïr cet homme? Non. Bien, si c'est vraiment le cas, pourriez-nous arrêter avec ces conneries de deux perspectives possibles pour toute chose? Ce petit con est beaucoup trop brillant et il est aussi beaucoup trop sexy. Ce sera assez pour que la vie se charge de déflinguer ses espérances. Tu as menti, Florent. Ne m'ouvre pas la porte dans la gueule. Quoi? Tu aurais dû admettre que tu pouvais aimer et haïr en même temps. Si seulement je pouvais. Ouais, m'oblige pas à œuvrer pour te démontrer le contraire. C'est ça, œuvre, mon garçon, œuvre. Mais méfie-toi, même sans te détester, je pourrais très bien te faire beaucoup de mal. Attends. Florence. Florence, ça signifie qu'ils sont au courant, ça? Florence, ils savent qu'on sort ensemble? Ça te posera un problème? Je préférerais pas. Allô? Non, ta sœur. Disons que t'as pas raconté quoi que ce soit à Henri me concernant, là. Comme quoi? Ce que je t'ai dit à propos de Mademoiselle Perrin, à propos de nous aussi. Bien sûr que j'ai tout raconté. C'est normal. Je suis déléguée de classe. Si tu fais ça, Radas, tu peux tirer un trait sur nos rendez-vous. Hein. Ok. Arrête, t'as compris ce que j'ai dit? Ciao, bello ragazzi. Hey, cretino, come va? Va bien. Un poco del culo, sempre? Tutti bene, la mamma pasta, le, sì, tutti sì, quanti? Un bel culo, un bel culo. Bel culo? Devo fare le matematiche. Sì, le matematico. Aspetta. Aspetta qua. Aspetta, je sais pas. Ça veut dire attends, aspetta. Bonjour. Bonjour. Avanti, pour le polo. Le prof de maths est rentré. On va comme ça, on est tranquille. Quoi, tu veux sécher les maths aussi? Oh non, on va y aller. Mais avant, je tenais à te dire que j'ai une activité sexuelle avec ton cousin. Henri est au courant? Bah non, bien sûr que non. C'est pour ça que je t'en parle. Mathias est super angoissé à l'idée que tu le découvres. Il veut te protéger, il dit que t'es fragile et moi ça m'emmerde, tu comprends? J'ai pas envie de plus le voir parce que t'as débarqué. Alors maintenant, tu le sais. Je te fais confiance. Et si tu trahis ma confiance, attends-toi à des ennuis. On était obligés de faire ça maintenant. Bah oui, je dois rendre les photos demain, la documentaliste. On est obligé de le faire, là. Si j'en fais pas maintenant, tu seras pas dedans. Pourquoi ce serait grave? Allez, on est ça. Tu vas voir, il est très talentueux, Jacob, ça va très bien se passer. Oh, c'est bon, ça va. Oh. Attendez, 2 minutes. Là. Voilà. Vous voyez pas que ça l'angoisse, son premier jour, c'est un peu brutal. Mais, écoute, ça va, hein. Elle est pas si fragile que ça, ma cousine. Hein. Allez, viens, je te parle. Comment ça va? Oh, c'est bon. On revient tout de suite. Attends, plus dans le pas. Regarde-moi. Attendez, un peu plus. Arrêtez. Bouge pas. Oh, silence là, silence. Allez, hein. Tu restes comme ça. Il reste trois photos. Ça, la peau tellement blanche. Allez, c'est bon, c'est fini, on peut y aller.
Tu m'as pas fini mon rouleau, quoi. Le jour baisse, carte bresson. Même avec une peau blanche, t'auras plus assez lumière. Attends, une chanson de pull au moins. Bye bye, les petits. Chérie, on ramène tous une petite matérielle. Je rentre pas avec toi ce soir. Très bien. Je pose pas de questions. Tu peux pas être un peu moins parfait, des fois? Qu'est-ce que tu veux dire? Si la photo te plaît, on pourra se refaire une série. Tu vois, chez moi, j'ai des super projets. T'as pas vu Mathias? Il est là, au coin. Ah, merci. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Moi, c'est Jeanne. D'accord. Merci, Jeanne. Auto. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu sais, il y a ma mère qui bosse plus loin là. Ah oui, tu m'avais dit. Ouais, je vais la retrouver. Bah, écoute, nous on est presque arrivés. Vous voulez qu'on aille prendre un café peut-être? Non, moi je suis désolée. Je préfère rentrer. J'ai des trucs à rattraper. Ah oui, mais tu vas pas rentrer toute seule parce que après moi je vais arriver de me faire tuer. C'est pas grave. Hein. Ça me vint quoi. Je vais juste vous laisser 2 minutes, je vais aller acheter du pain parce que j'ai promis à maman d'aller acheter du pain. A tout de suite. C'est ça. Ça va? Ah tiens, sympa. Ça va, t'es pas trop fatigué? T'as pas tout s'affoler là, non? Moi je te préviens, je suis beaucoup plus calme. Ah bon? J'aime bien m'amuser, quoi, mais il y a des limites. Fin. Je m'appelle Otto, en fait, je sais pas si tu veux. Oui, je sais. Tu me l'as dit ce matin. Bah, t'aurais pu oublier. Non, non, j'ai pas oublié. Junie, c'est joli, ça, Junie. C'est dans Racine, non? Celle qui est en fond des roues. Ouais. Et pour lui échapper, elle finit mal. Elle se tue, non, c'est ça? Non, elle se fait vestale. Comme ça, tu vois, en tant que religieuse, elle a plus le droit de se marier. Moi, Otto, je crois pas qu'il y ait d'histoire avec mon prénom. Si. Non, non, je crois pas. Si, si. Je suis sûre qu'il y a un Otto dans un roman, quelque part. Non. Ou alors un bouquin pour enfants, une histoire de lapin qui s'appelle Otto, qui aurait le problème de terrier, enfin, tu vois. C'est par littérature. Voilà. Eh bien, écoute, bonne soirée, bonne baguette. À demain. Salut. Moi, il te l'a dit? De quoi? Qu'il voulait sortir avec toi. Ça va pas, non? Il est mou, cet Otto. Laisse-le tranquille. Les mecs! Ça va, Mathias? Salut, Junie, ça va? Qu'est-ce qu'elle a? Bah, laquelle a enterré sa mère il y a une semaine. Avec Otto? Bah, ça me paraît assez mal barré. D'accord. Tiens, Jacob, à toi. Alors, Jacob? Tout à fait. Oui, tout à fait. Tu nous fais partager un peu ton raisonnement? Ouais. Donc, on a posé U de x est égal à 0,12x et V de x est égal à exponentielle de moins 1 sur 60x. Mmh. La dérivée de la fonction, c'est égal au produit de ces deux fonctions. Et la dérivée d'une fonction produit, c'est égal... Henri, s'il te plaît. À... Ah, on se concentre. Prime V plus V prime U. Donc on va avoir besoin de calculer U prime de X et V prime de X. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre ce lac dur oublié que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui? Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique mais qui sans espoir se délivre pour n'avoir pas chanté la région où vit, bah, quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. Tout son col... Pardon. Tout son col secoura cette blanche agonie par l'espace infligé à l'oiseau qui le nie, mais non l'horreur du sol où le plumage est pris.
Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne, il s'immobilise au songe froid de mépris que vêt parmi l'exil inutile le cygne. Vous voulez bien reprendre, Mathias, s'il vous plaît ? Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre ce lac dur oublié que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui ? Un cygne d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique mais qui sans espoir se délivre pour n'avoir pas chanté la région où vivre quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. Tout son col secoura cette blanche agonie. Pour la prochaine fois, je vous conseille de revoir tout chapitre de cette analyse. Vas-y. C'est le moment ou jamais. Pense. Je sais pas quoi lui dire, je sais pas quoi faire. Tu la regarderas dans les yeux, tu lui dis que tu l'aimes et tu l'embrasses. C'est un tout petit peu con, ça. Chante-moi jusqu'où. Tu ne le mérites pas, en fait. Je vais la donner à Jacob. Allez, vas-y. Oh, t'es dégueulasse. Va s'en prendre une, là. Qu'est-ce que vous regardez ? Dès que je t'ai eu. C'est comme ça, c'est évident, je le sais. Tu dis ça pour m'avoir ? Pas du tout. Sincèrement que je te fais. Alors ne me lâche pas. Et fais attention à moi. Toujours. Vous êtes en retard, mademoiselle. Je me mets où ? Monsieur Nemours, je vous présente Junie de Chartres, la cousine de Mathias. Bonjour. Ben, venez vous asseoir à côté de moi. Henri ? Donc, le livret de Lucia di Lammermoor de Nibzetti est une adaptation d'un roman de Walter Scott. Ça vous dit quelque chose, Walter Scott ? Quentin Durward, Ivanhoe. Arrête de faire ton pédant, avance, s'il te plaît. C'est une histoire inspirée d'un fait divers qui s'est déroulé en Écosse au XVIIe siècle. Va un petit peu moins vite, là, s'il te plaît. Voilà le sujet. Enrico, le frère de Lucia di Lammermoor, veut marier sa sœur avec Arturo. C'est un mariage de raison ou d'intérêt, comme il y en avait tant à cette époque. Mais Lucia refuse car elle en aime un autre, passionnément. Il s'appelle Edgardo et les deux amants se sont jurés fidélité. Enrico parvient alors à convaincre sa sœur qu'Edgardo la trompe avec une autre. Et par dépit, elle accepte le mariage. Durant sa nuit de noces, dans un accès de démence, elle tue ce mari qu'elle déteste. C'est ce moment que je vais vous faire écouter. C'est un magnifique et long duo avec la flûte où la douce jeune fille du début devient folle, de désespoir et de douleur. Et ça finit comment ? Classique, Lucia meurt et Edgardo se suicide. Vous êtes prêts ? Il dolce suono mi colpi di sua voce. Essayez de pas trop suivre la traduction française, s'il vous plaît. Prenez le texte italien, c'est quand même mieux. J'ai choisi la Calas. D'accord.
Elle s'est installée chez mes parents depuis une semaine. Et son père ? Un autre problème, mais elle s'adapte bien, en fait. Voilà. Elle a envie de participer au voyage ou quoi ? Je sais pas, on en a pas encore parlé. À ce propos, je voulais vous demander, si on est plus nombreux, ça revient moins cher, non ? Oui, mais non, parce que de toute façon, si on est plus de 20, il faut un accompagnateur en plus, et ça, l'administration, elle tient pas. Alors ça, c'est sa trousse, c'est son cahier qu'elle a oublié, tu peux lui rendre ? Ouais. Surtout, n'oublie pas, hein. Oui, d'ailleurs, monsieur, on est plus que 16, hein, puisqu'on reviendra pas. Pourquoi il vient pas ? Si on est plus que 16, ça va pas, hein. On peut pas être plus de 20, mais on peut pas être moins de 20 non plus. Ça fait tout tomber à l'eau, si on est 16. Sauf si on invite d'autres gens. Et on pourrait au moins ouvrir au latiniste, par exemple. Mais non, ils sont 40 en classe de latin. Moi, je fais comment pour en sélectionner 4 ? Sinon, je pensais... Tu peux peut-être penser dehors ? Ouais, je vais t'égaler. On pourrait organiser un match entre les profs et les élèves, un match de foot. Ouais, bah ça, non, on fera pas ça, non. Ou un tournoi de ping-pong interclasse, par exemple. Non, non, on invite les parents et on les taxe. Non, monsieur, je vais pas laisser tomber. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas convaincre ta cousine de venir avec nous, comme ça on sera déjà 17. Pas mal, non ? Tiens. Elle a dit oui. Si vous voulez exposer en français, on peut le faire tous les deux, la prof a eu l'accord. À deux, j'arrive pas. On y va ? On y va ? Ouais. Ouais. Mais... Au revoir, Julie. À demain, auto. Je comprends pas, tu passes ta journée à lui bouffer la bouche et après tu le vires. Junie. Junie, arrête de faire ta teigne, s'il te plaît. Je le décevrais beaucoup si tu rendais au Thomas Boule, je suis sûr qu'il est sincère. C'est toi qui me donnes des leçons de sincérité. Esther et Catherine apprécieraient. Otto est différent. Et toi aussi, je crois, enfin j'espère. Et toi, t'es comme tous les autres. Moi, je me plais pas forcément comme je suis. Puis oublie pas que vous êtes embrassés, c'est pas complètement anodin. Ah oui, je sais bien, mais... Elle donne l'impression de le faire uniquement pour pas me froisser, comme si elle avait pitié de moi. T'exagères toujours. T'es pas heureux de la voir ? Je sens qu'il y a des tas de raisons pour qu'elle ne m'aime pas. Mais ça va venir, ça. Pourquoi est-ce qu'elle a pas eu le cœur déchiré comme moi la première fois qu'on s'est vus ? Tout doux le lyrisme, Muoto. Rappelle-moi ce soir, ça va pas, là, faut que je te laisse, ok ? Ciao. Ciao. Bisous. Jacques ! Jacques ! Qu'est-ce que tu fais là, Marie ? Devine. Tu peux monter ? Non. Je voudrais que notre histoire s'arrête là, Marie. C'est à cause de Mademoiselle Perrin ? Non, ça n'a rien à voir avec Florence. Ça n'a rien à voir. Donc, toi, t'as pris ta décision et moi, je dois fermer ma gueule. Comme une bonne élève, c'est ça ? Non, tu vois, tu vas discuter. J'ai pas envie de discuter, Marie. S'il te plaît, je te le demande. J'ai pas envie de discuter. Bon, allez, s'il te plaît. T'as honte de moi, en fait. C'est ça, la vraie raison. T'as honte. Mais non, j'ai pas honte, Marie. Je voudrais juste que notre histoire s'arrête maintenant et... Je casse, quoi, voilà. Quatre baisses d'à peine une heure, j'appelle pas ça vraiment une histoire, si tu veux. Bon, bah c'est très bien. Comme ça, tu t'es tapé un prof, ça me rassure, finalement. Mais pourquoi tu mens ? Dis plutôt que t'as quelqu'un d'autre en tête. Moi, ça sera plus clair. Bon. Vas-y, c'est qui la prochaine Allez, sur ta liste ? Rentre chez toi, Marie. Rentre chez toi, il est tard, je suis fatiguée. Non, je suis pas à la rue, hein, t'inquiète pas. Bon, allez. On n'est pas forcé de devenir des ennemis. D'accord ? Qu'est-ce que je vais dire aux autres ? J'ai passé pour une mytho maintenant. De ce point de vue-là, je me fais pas trop de soucis pour toi, ça va. Hein. Tu connais cette blague ? Même une horloge cassée a raison deux fois par jour. Non. Mais j'entends, je crois que je la comprends pas très bien, cette blague, mais... C'est bête. J'ai comme une très grande douleur de vous quitter, monsieur. Allez, débarrassez-moi tout ça. Vous devriez vous faire des courses. C'est pas bon de manger des cochonneries tous les soirs. Ça, c'est vrai.
J'y penserai la prochaine fois. C'est la nouvelle ? Oui. Jolie gamine, hein ? Très. Elle a l'air très douce. Junie, c'est ça ? Oui. Elle a oublié ça dans la classe, alors... Vous allez la lui rendre, j'espère ? Non, je ne vais pas la lui rendre. Faites pas le malin, je vous ai à l'œil. Jeune fille, ça se respecte, même à notre époque. Ben, l'école, les aimer, c'est pas leur manquer de respect, hein ? Vous savez très bien ce que je veux dire. Vous savez très bien ce que je veux dire. C'est fragile comme du verre à cet âge-là. Moi, j'ai compris. Vous faites une scène de jalousie, Nicole. Parce que vous voulez me donner une photo de vous, c'est ça ? Oh là là, ça fait longtemps que je fais plus rêver, moi. Mais pourquoi vous dites ça ? Bon, allez vous asseoir. Moi, je suis sûr que vous avez des amours secrets. Oh, allez vous asseoir. Allez. Ça fait 23 ans qu'un homme n'a pas mis sa langue dans ma bouche. Ça vous convient ? Bonjour. Bonjour. Je peux regarder ? Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Tu pourrais pas nous donner un tirage ? C'est bien. Ouais. Bah, j'en ai donné la Junie. Donc, oui, c'est le devoir, c'est le devoir. Merci. Otto ? Ouais. Vous avez 17 livres de retard. Oui, je sais. Mmh. Par conséquent, vous êtes absolument indésirable dans ce CDI, vous le savez aussi ? Oui. Je vous rapporte ça demain. Oui, demain. Mmh. Tenez l'échelle, Jacob. Mathias. Mathias. Tu veux pas me la donner, c'est ça ? Ou alors tu la donnes à quelqu'un d'autre, déjà. Ou alors tu la gardes pour chez toi, pour t'admirer le soir, toute seule. J'ai perdu la photo de Jacob. C'est vrai, ce mensonge ? Ouais. On te l'a volée, c'est ça ? Je sais pas. Cette femme très belle, très digne. Ouais, moi aussi, en fait. Elle m'a longtemps impressionnée. Puis j'ai appris des choses à son sujet. En fait, ma mère, enfin ma tante, la connaît par des amis communs. Et elle m'a raconté tant d'histoires. Tu veux savoir ? Dis-moi. Elle s'est mariée, très jeune, avec un homme qui lui a fait un enfant. L'homme est mort dans un fait divers sordide avant que l'enfant ne naisse. Un truc genre assassiné, je crois. Et... Tout le monde avait vraiment pitié d'elle. Elle était déjà au lycée à l'époque, ça faisait 2 ans. Tout le monde l'a trouvée très courageuse. Et un jour, un nouveau prof de sport est arrivé, Sancerre. Tu le connais pas, il est parti depuis. Il est tombé amoureux d'elle, et elle s'est un peu laissée approcher. Seulement à cause de cet enfant. Elle voulait pas qu'il monte chez elle. Et pareil au lycée, elle voulait pas que leur histoire se sache. Ça a duré comme ça pendant plusieurs mois. Ce qui était assez embarrassant dans leur situation, c'est que... Madame Tournon passait aux yeux de tout le monde pour une veuve inconsolable, alors qu'en réalité, elle avait cette relation, quoi. Et puis un beau jour, Estouteville. Prof de maths ? Prof de maths, Estouteville, qui était très ami avec Sancerre. Estouteville s'est confié à Sancerre. Et lui a dit qu'il vivait depuis 6 mois une histoire d'amour très secrète pour laquelle il en bavait. Alors Sancerre a voulu savoir qui était la femme qui lui faisait ainsi perdre la tête. Et après lui avoir fait jurer de rien dire à personne. Estouteville a fini par lui avouer que c'était avec elle, Madame Tournon. On sait jamais rien des gens, en fait. Même de ceux qu'on aime. Thank you.
give me second grace. Please give me a second face. I've fallen far down. First time around. Why just sit on the ground in your way? Ouf, j'ai aucune chance de vous intéresser, hein. Je reviens tout de suite. Ça va pas? Non. Ça va très bien. D'ailleurs, je voulais m'excuser pour la dernière fois. Je voulais vous demander quelque chose. Oui. Quand j'ai laissé mon cahier sur la table, j'ai pas fait tomber une photo. Photo? Photo de quoi? Une photo de moi. Non, je crois pas. D'accord. C'est pas très grave. Bon, je dirais, moi. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Bah, monsieur, faut qu'on vous dise, on n'est plus que 15 pour le voyage en Italie. Bon. Ça tombe à l'eau, hein. Qu'est-ce qui vient pas? Eh ben, on annule. Voilà. Je vous remercie. Passer pour un imbécile auprès de l'administration. Junie, tu peux prendre les photocopies et distribuer, s'il te plaît. Junie, tu peux commencer la lecture, s'il te plaît? Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. E primavera sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa. Sempre più in alto si va. E vola, vola con me. Il mondo è matto perché, e se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione, fiori e dentro di te. Grazie. Allora? Non ti fa pensare a niente? Veramente a niente? E nella nostra serie Viva la varietà italiana. C'è nessuno che ha un'idea? Se je vous la chante. Na 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 na. Ok. Ok. Avete deciso di essere umilianti oggi. Piccolo mignoni, eh? Junie. Commence la traduzione, per favore. Je chante au rythme de ta douce respiration. C'est le printemps, ça sera, parce que je t'aime. Une étoile tombe, mais dis-moi où nous sommes. Que t'en importe, ça sera, je t'aime. Et vole, vole, ça se sait. Toujours plus haut on va. Et vole, vole avec moi. Le monde est fou parce que... Et si l'amour n'est pas là, il suffit d'une seule chanson pour faire de la confusion à l'extérieur et à l'intérieur de toi. Bonjour. Merci. Il marche aujourd'hui? Non, il sert jamais, il marche qu'en franc. C'est dommage.
Spécial, la miss. Je te préviens, c'est pas d'aujourd'hui. C'est beau, non? Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Je sais pas quoi te dire. J'ai pas envie de jouer au père la morale. Mais si, vas-y. 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 Elle fait le malin. En tout cas, fais attention, hein, parce qu'elle a l'air un peu dingue. Ah bon? Pourquoi? Toujours sous contrôle et en même temps tellement vibrante. Moi, elles me font peur quand elles sont comme ça. C'est parce qu'elle est... Sensible? Non, elle est fragile. Elle est... Ah. Moi, je la vois pas du tout fragile, cette gamine. C'est une tueuse, ça se voit tout de suite. Ne déconne pas avec les élèves. Écoute, c'est un peu facile, non? Oh, mais non, mais j'ai pas choisi la facilité avec elle, tu peux savoir. Alors, c'est fini avec Florence? Non, oh, oui, c'est fini. C'est fini avec Florence, avec les autres aussi. J'ai fait place nette. Putain, je suis dans une absolue détresse amoureuse. Je me sens tellement ridicule. Tu es juste fou d'amour, quoi. C'est complètement con. T'es complètement con. T'es, c'est complètement con. Si tu veux. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas tombé amoureux, moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, tu sais, l'histoire du ventre qui est tout noué, poitrine en feu, les jambes qui te lâchent. Je sais bien, hein, qu'il faudrait que je me calme, que je devienne raisonnable, mais j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Tu m'excuses de me pencher devant toi comme ça, hein? Mais de toute façon, je pourrais pas parler d'autre chose. Tu voulais parler d'autre chose? Non, 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 vas-y, te gêne pas. Là. Tu sais, je tiens pas à faire le génial, moi. Hein. Tu m'aimeras jamais, cette fille. Elle n'a jamais m'aimé. Je mens en plus. Il n'est pas question que cette fille m'aime pas. Sans vouloir t'alarmer, tu m'as l'air plus dans un chagrin d'amour qu'au moment du coup de foudre. Peut-être. Nicole. Oui. On va prendre de l'alcool, je crois. Ah, vodka? Da. Du boulovka? Da. Il y a Patrick qui est...
toujours là. Ça va, Patrick? Allez, Dubrovka, à la vôtre. C'est pas si bas. Tiens, tiens. Allez. Ah, c'est bien. J'ai pas envie de t'embarrasser avec cette histoire. Bourrons-nous la gueule, on prendra une décision après, d'accord? T'embrasser. M'embrasser. M'embrasser. Tu veux m'embrasser? Quoi? Ah, t'embrasser. Non, j'ai compris ça. Non, non, j'ai dit t'embrasser, mon bichon. Beaucoup de gens qui l'ont lu. Tu parles, ils se sont tous jetés dessus comme des charognards. Fais gaffe, il y a deux mots. T'oublieras pas de la rendre à Marie après. C'est elle qui l'a trouvée. Thank you.
Bah ouais, mais non, c'est pas la peine de chercher, elle va. Non, mais Coco, ça va, elle est grande, elle va pas se perdre. Enfin, c'est trop con, je sais même pas où elle est. Eh, vous avez vu la lettre de Nemo? Bah, c'est Marie qui l'a trouvée dans le fumet, elle est tombée de sa poche. Quel bourreau des cœurs, celui-là. Je suis fou, Mathias. Vous savez où elle est, Marie? Bah non, c'est pas, elle est devant. Ah, t'attends pas, Julie, avec nous? Non, suis-moi. Tu lui prends? Laurence, je reste là, moi. Marie! Marie, Marie, Marie! Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as la lettre de Nemours? Non, et j'ai pas très envie d'en parler, si tu vois ce que je veux dire. T'en as fait quoi? Tu l'as ajouté? Non, je l'ai donné à Jacob. C'est lui qui doit l'avoir. En fait, il vient de me dire que c'est toi qui l'avais. Mais je l'ai pas, putain, lâche-moi. Un dernier truc, c'est pas Henri qui l'a, par hasard? Mais sérieux, tu m'emmerdes, là. Tu vois pas que tu m'emmerdes? Mathias, tu restes là! Oh! On rentre au lycée! Je vais attendre ma cousine avec Monsieur Nemours, madame. Je comprends pas, je viens de voir Marie, elle me dit que c'est toi qui as la lettre. Ah non, je l'ai rendue, mais si. T'es sûr de ça? Mais écoute-moi, je sais pas, sois discret, merde, justement. Non, il y a Jeanne qui l'avait. Quelqu'un l'a vue, là? Ah, non. Elle a un portable ou pas? Non, elle a pas de portable, elle veut pas de portable. Bon, à la prochaine. Tu crois qu'elle s'est trompée de station? Je peux vous parler, monsieur? Personnel. Ma cousine, c'est pas le problème. Elle connaît Paris, elle se perdra pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Tout le monde croit que vous avez perdu une lettre à la cinémathèque. Ah bon? Perdu une lettre? Marie a trouvé une lettre et elle a cru qu'elle était tombée de votre poche. En fait, il se trouve que c'est une lettre qui m'appartient. Et il faut surtout pas que quelqu'un tombe dessus. Monsieur, je vais avoir besoin de vous, là. J'ai confiance en vous. Mais ça va, calme-toi, Mourant, là. On va retrouver Eugénie, puis on va s'occuper de la lettre, d'accord? Je vais avoir besoin que vous me rendiez un énorme service, monsieur. Mais oui, je vais le faire, t'inquiète pas. Bon, alors vous allez demander à Marie de vous rendre cette lettre en disant qu'elle vous appartient. Il y a quoi sur cette lettre? C'est une lettre d'amour, monsieur. Tu te fous de moi? C'est quoi le bordel, là? Il faut pas que Marie sache que cette lettre m'appartient et surtout, il faut pas qu'elle en parle à Henri. Pourquoi Henri? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Au début, c'était un jeu entre nous et puis c'est devenu de plus en plus sérieux. Henri surtout. En fait, j'ai compris qu'il était comme amoureux. J'ai rencontré Martin. On se voyait en cachette, entre les cours, le midi. On n'avait pas moyen de faire autrement, on pouvait pas se passer l'un de l'autre. J'aurais jamais cru ça de lui. Il nous a menacés. Il nous a dit très clairement que si on continuait à se voir, il balancerait la photo sur le site du lycée. Allez, file. Moi, je vais m'occuper de ta cousine. Merci beaucoup, monsieur. C'était ça.
Il attend pas avec nous. Hein. Pourquoi t'attends? Tu le fais exprès ou quoi? Pourquoi tu m'as attendu? Là, j'ai besoin d'air, attends. Je veux voir personne. Attendez une seconde. Otto, faut que je parle à Julien en tête à tête. C'est à propos de son cousin. Il y a un problème avec Mathias? Tu nous laisses une seconde? Mathias est dans un état pas possible à cause d'une lettre. Tu sais quelque chose à propos de cette lettre? Oui, mais je vois pas en quoi ça le concerne. Comment ça, en quoi ça le concerne? C'est une lettre qui lui appartient, Julie. Je crois pas, non. Est-ce que c'est de votre poche qu'elle est tombée? Mais est-ce que tu l'as vu tomber de ma poche? Moi, non. Non, mais alors, je sais pas qui t'a raconté ça, mais c'est n'importe quoi. C'est une lettre qui appartient à Mathias, c'est très important pour lui. Il a besoin de la récupérer. Bah, très bien. Alors, pourquoi vous vous en mêlez? Mais je m'en mêle pas, Julie. Je tiens juste. Cette lettre ne m'appartient pas. Je vais faire comme si elle m'appartenait pour rendre service à ton cousin. Je voulais juste que tu saches ça. Est-ce que tu me crois? C'est pas moi qu'il faudra convaincre. C'est Marie qui a trouvé cette lettre sur votre siège. Si elle parle à nemours de la lettre, Marie va la tuer. Elle va seulement lui faire une remarque et je la bousille, Marie. Vous avez une preuve qu'elle ne vous appartient pas? Je peux pas te raconter les secrets de Mathias, Julie. Vous tombez mal. Entre Mathias et moi, il n'y a pas de secret. Non, moi, je sais pas, c'est une lettre d'un Martin. Je n'ai même pas lu la lettre, moi. Je l'ai lue, cette lettre. C'est une lettre de femme. Est-ce que t'en es certaine de ça? Tu me crois maintenant? Tu peux me donner la lettre, s'il te plaît? Je l'ai déchirée. Mais Junie, si tu donnes pas la lettre à Marie, elle va comprendre qu'il y a un loup. Bah, je sais pas, tu t'en rappelles de la lettre, Mathias, écrite à toi-même? Martin me l'avait donnée juste avant la séance, je l'avais parcourue à toute vitesse. Moi, je m'en souviens. Enfin, à peu près. C'était pas une longue lettre, juste quelques phrases. Eh bien, très bien, tu vas la réécrire. Une écriture de fille, c'est beaucoup mieux en plus. Et demain, tu la donnes à Marie. Ça devient ridicule, là. Bah, me sauver la vie n'est pas complètement ridicule. Enfin, j'espère. Bon, elle était contre quoi? Elle était. Enfin, je veux dire, c'était du papier? Qu'est-ce que c'était? Oui, c'était une feuille blanche. Normal. Non, j'en ai, on va faire ça tout de suite. Allez, viens t'asseoir, Junie. Viens! Papier. Ça va, Junie, de m'écrire une lettre d'amour, que ça t'en aide pas trop? Ça va. Je t'aime trop pour te laisser croire que je pourrais me passer de toi. Mon amour, je t'en supplie, ne me quitte pas. Non, 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 on va pas dans la vanne, sinon on le fait pas. C'est déjà assez gênant comme ça pour Martin. On peut être un peu lyrique, parfois. Dans les... Je préfère qu'on donne dans l'exactitude, si ça vous dérange pas. Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me,
Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Depuis octobre. Le 12. La seule personne à le savoir maintenant, c'est toi. À mon avis, Esther aussi est au courant. Hein? Esther, elle y voit que du feu. Mais ça te dérange pas quand tu le vois avec elle? Bah si, bien sûr. Mais si Mathias me demandait de nous afficher devant tout le monde, ça me rendrait malade aussi. Moi, je supporterais pas de devoir me cacher tout le temps. Ah bah t'as de la chance, parce qu'avec Otto, t'es tombé sur un saint. Bon allez, faut que j'y aille, moi. Mon frère m'attend au judo. Salut, Junie. Salut. Tu m'appelles ? J'en ai marre de tout. C'est terrible. Je sais pas, j'ai pas un délire en italien. Tu restes avec moi? Oui, bien sûr. Tu sais, tu m'ordonnes aujourd'hui. Hein. Mais tirez où en attendant? Peut-être chez mon père. Enfin, s'il veut de moi. Sinon, j'ai aussi une tante en Bretagne. Je comprends pas pourquoi tu cherches à t'isoler. Tu commençais à peine à t'adapter ici. Pourquoi tu veux foutre le camp? Je suis allée trop vite. Je le sens bien. J'ai cru que changer de lycée et revenir en cours tout de suite après la mort de maman, c'était la bonne solution. Je me suis surestimée, c'est tout. Mais les parents de Mathias te laisseraient partir? Je pense, oui. Tu partiras jusqu'à quand? J'en sais rien, Otto. Je reviendrai après les vacances de février, ou plus tard. Ne le prends pas contre toi, Otto. Bien sûr que si, je le prends contre moi. Si tu t'en vas, ça veut dire que j'ai pas réussi à t'aider. Ici, t'es le seul qui m'aide vraiment. De toute évidence, pas assez, puisque tu préfères me quitter. Je ne quitte pas. Je m'éloigne un peu. C'est mieux, je te promets. Mais c'est quoi tes raisons? Je viens de t'expliquer. Non, Junie, je veux que tu me dises la vérité, sinon je peux pas lutter. Junie, qu'est-ce qui t'arrive là? Ne m'oblige pas à t'avouer quelque chose qui ne sert à rien. Ça signifie quoi ça, Junie? Ça signifie quoi ça? Tu peux tout me dire, je préfère savoir que d'imaginer le pire. T'as promis de jamais me mentir, alors tu me mens pas. Junie. En partant, je me protège de quelqu'un d'ici. Voilà. La vérité, c'est que je prends la fuite. Est-ce quelqu'un dont tu es amoureuse? Quelqu'un que je ne veux pas aimer. T'es en train de m'annoncer que t'es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Je te dis l'inverse de ça. Je m'en vais pour éviter de tomber amoureuse. Je te respecte, Otto. Si je t'avoue ça, c'est la preuve que tu comptes vraiment pour moi. Moi, je compte pour toi, mais d'un autre, tu es amoureuse. Ça va me passer. Il faut juste que je me retrouve seule quelque temps. C'est qui? Tu pourras pas m'obliger à le dire. Je veux savoir qui c'est. Je souhaite vraiment quelqu'un d'exceptionnel pour que tu sois prête à bousiller ton année par sa faute. Si je t'ai avoué qu'il y avait quelqu'un, c'est parce que je refuse de faire comme les autres, qui dissimulent tout. Mais te dire qui c'est, je peux pas. Ce garçon, il t'a dit qu'il t'aimait? Non. Mais je l'ai compris. Par d'autres façons. Et il le sait qu'on est ensemble? Enfin, si on est toujours ensemble. Si je voulais pas être avec toi, je t'aurais quitté, sans me donner d'explication. Monsieur, monsieur.
Il y a Henri et Mathias qui se battent et on n'arrive pas à les séparer. Calme. Et... Je vois quel problème celui-là. Hein. Ça suffit. Oh putain. On va t'en avoir ou deux coca, hein. Bon. Malade ou quoi? Mets ton sac, mon chéri. Non, mais ça va, maman. Ça va.
Je peux comprendre. De toute manière, même si je comprends pas, il me laisse pas le choix. Ce que je supporte pas, c'est que ça fait 4 mois qu'il me ment. Elle aurait pu m'en parler quand même. C'était pas si facile pour lui. Peut-être que c'était pas si clair non plus. Moi, je voudrais l'aider et il refuse. Mais il a pas dit qu'il voulait plus te voir. Si. Il dit que c'est mieux. Fait se faire souffrir, je sais pas quoi. Qu'il a peur que les autres se foutent de ma gueule en voyant maintenant avec Martin. Il va affronter ça tout seul. Je vais lui laisser un peu de temps. J'arrive même pas à être jalouse. Il l'aime pas. Il peut pas l'aimer. Mais, Mathias, tu le voyais pas si souvent. Il est obligé d'être tout le temps collé pour faire couple. Putain, je vais le détester. Mais la seule chose que je ressens, c'est de la peur. Je pleure pour lui, je pleure tout le temps. Pour moi, c'était vraiment de l'amour, notre histoire. Tu lui avais dit? Non. Il m'a toujours interdit. Il disait que c'était mièvre. Bonjour. Je te cherchais. Où est là, Mathias? Mathias a parlé à Esther. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit qu'il aimait Martin. Ah ben voilà. Courage revient. Il va mieux, petit père. Le courage et l'égoïsme. Mathias s'en fout de savoir ce que ressent Esther. Il s'est soulagé, c'est tout. Avoir le courage de ses sentiments, je trouve pas ça. Je trouve ça très facile. C'est dérange. Pas... Ça nous dérange pas de me laisser seule. S'il vous plaît. C'est pas avec Junie? Elle s'est fait coincer au sud. Par un humour. Ça va, toi? Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te chercher. Pourquoi me chercher? T'as pas vu ces 2 heures? Si. T'as pas italien 2 heures? Tu vas pas. Pourquoi tu vas pas? J'ai pas envie, c'est tout. Tu veux me dire quelque chose? Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, ça va sonner dans 5 minutes. Tout à l'heure. Bravo. Bonjour. Julie qui est dans la cour, là. Normalement, elle devait sécher l'italien. Et alors? Elle est dans la cour pour l'italien. On n'arrête pas de voir ce qu'elle fait exactement. Non, tu la soupçonnes de quoi? C'est pas question, s'il te plaît, c'est vraiment. C'est pas cher, un agent secret. Parce qu'elle laisse pas. Excusez-moi, madame, je peux sortir, s'il vous plaît? Allô, c'est pas juste? Ça veut dire oui? Da, da, va, okay. Merci. Boris? Vous sortez vos textes de Pasternak? Thank you.
credi che il ballo faccia bene anche fisicamente. Ti piace la danza classica? Invece di limitarsi peut pas continuer comme ça, Junie. Je suis aussi perdu que toi. Мило, мило, по всей Родите. Земле, во все пределы, свеча горяра на столе, свеча горяра. Как ритм руем, мошкара летит на промя. Средь рис хлопья со двора, к оконной пали рани. Метель видела на стые крие, крышки срели. Zvěča gorila na stolí, zvěča gorila. Na ozářený potolok vloží list tění, skrečení ruk, skrečení nog, sudy, sudy, skrečení. I padaly dva bašmačka so stukom na pol i vosk s rýzami s nočinka na pratě kapel i vše. Tu veux me raccompagner, mais tu me dis rien. J'attends que ce soit toi qui me parle. Recommence pas avec ça, s'il te plaît. Tu partirais quand, chez ton père? Chez mon père, c'est pas possible. De toute façon, je trouverais dégueulasse de laisser Mathias. Et embrasser Nemours, tu trouves pas c'est dégueulasse? T'es malade. J'ai jamais embrassé Nemours. Je l'embrasserai jamais. Junie, on vous a vu. Personne ne peut nous avoir vus. Ben, vous avez de bonnes cachettes. Otto, je t'en supplie. Ne m'accuse pas de quelque chose que j'ai pas fait. Tu sais, dans le fond, je te croyais différente. Mais en fait, t'es comme Marie, t'es comme tout le monde. Sauf que Marie, elle prend pas ses airs supérieurs. Comme la pluie nous manque parfois, un orage aurait plus d'allure pour se crier ces choses-là. Se jeter ces mots à la figure, comme la pluie nous manque parfois, comme le soleil nous tue, comme ses rayons nous semblent froids, quand on ne s'aime plus. Comme les forces nous manquent parfois, une bagarre aurait plus de gueule. Passer ton visage à tabac, qu'enfin plus personne n'en veule. Comme les forces nous manquent parfois, comme nos bras nous trahissent. Lorsque l'amour entre nos doigts, comme le sable glisse. Quelques larmes nous valent bien ça, mais c'est trop demander, hélas.
comme les plaines nous manquent parfois. Mathias, ça fait 3 semaines qu'elle n'est pas venue à mon cours, Jenny. Ah bah, je suis au courant. J'ai rien dit à l'administration, mais par rapport aux autres, c'est pas très... Tu comprends? Je peux pas faire comme si de rien n'était. Il faudrait que tu... Je sais pas, que tu la raisonnes. Et je vais essayer. Tu peux lui dire que lundi, je serai plus là, parce que j'ai pris un congé maladie jusqu'à la fin de l'année. Parce que vous êtes malade, vous? Vorrei che ognuno di voi si presentasse. Tu, come ti chiami? Mi chiamo Antonin. E tu? Martin. Ok. E tu? Sono Emily. E tu, come ti chiami? Mi chiamo Jenny. Sono molto contenta di conoscerti. E tu? Clément.
Vas-y, je te rejoins. Ok. Vous vouliez me parler? Je suis désolé de ce procès déjeuner, mais... Je me sens tellement minable de faire ça, mais j'ai besoin que tu m'écoutes, sinon je t'assure, je vais devenir fou. Je veux bien, mais il n'y a rien à espérer de notre conversation. J'ai pas honte de te parler sans prudence. Je me dis que c'est ça aussi qui t'a plu chez moi. Ma manière d'être transparente. Imaginez que tu puisses ne plus m'aimer, et pour moi bien plus abominable que ce que tu appelles les règles que je me suis fixées. Je sais que nous sommes deux personnes. Normal, quoi. Et qu'après tout, nous pourrions être ensemble. Mais pour combien de temps? Si nous sommes deux personnes comme les autres, quelle sera la durée de notre amour? Il n'y a pas d'amour éternel. Même dans les livres, il n'y en a pas. Donc s'aimer, c'est s'aimer pour un certain temps. Il n'y aura pas de miracle pour nous. Nous ne sommes pas plus forts que les autres. Finalement, Otto est le seul homme qui m'aimera toute sa vie. Je sais, c'est absurde, mais c'est presque vrai. Si je me donne à toi, tu finiras par détacher. T'as pas très confiance en moi, en fait. Je suis pas sotte. T'es très beau. Tu plais à tout le monde. J'ai connu beaucoup de femmes. J'en ai même croisé au moins deux. Et comme pour elles, un jour tu partiras pour en aimer une autre, que tu trouveras plus aimable. Et moi, j'y survivrai pas. Sans parler de la jalousie. Rien que cette lettre, dans quel état elle m'avait mise. J'aurais toujours l'impression que tu seras aimé et amoureux d'une autre. Peut-être que je serai capable d'endurer mon malheur. D'autres le font. Mais ça ne marchera pas, Junie. Tu peux pas résister toute seule à notre histoire d'amour. Parce que moi, je suis armée. Je vais pas te laisser faire. On se voit demain? Non. Pas demain. Après-demain. Viens si tu veux. 17h?
Ouais, Mathias, c'est Nemours. Écoute, je suis en bas de chez toi, là, j'avais rendez-vous avec Junie à 17h, il est bientôt 19h et je t'ai pas vu rentrer, alors je suis un peu inquiet. J'aimerais bien que tu me rappelles quand t'as le message. Je t'embrasse. Bonsoir. Bonsoir, Mathias. Ma mère m'a pas laissé aller en cours aujourd'hui. Je m'y ai parti hier après-midi. Elle est partie où? Faut pas vous le dire. Elle est partie loin. Faut pas que vous l'attendiez. Elle a dit qu'il fallait pas vous donner de ses nouvelles et qu'elle avait décidé de plus jamais entendre parler de vous. Merci, Mathias. Rentre, tu vas attraper froid. Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you know. Show me what you have to show. Won't you come and say, if you know the way to me? Have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Tell me all that you know. Show me what you have to show. Tell us all today, if you know the way to bloom. Look through time and find your eye. Tell us what you find. We will wait at your gate, hoping